C'est parti donc ce soir pour Palmyra Orphanage. Je connais pas ce jeu, je l'ai acheté sur Steam, il coûte 5€, donc c'est vraiment un jeu qui va se finir en genre 2 heures. J'ai vu le trailer sur YouTube, j'ai vu un YouTuber américain y jouer. Et ça m'a tenté, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors le jeu est totalement en anglais, on va essayer de traduire ça tranquillement en français. Et puis voilà, j'espère que ça va faire peur. J'espère que vous êtes prêts les crows et on part sur une heure et demie de live là. Une heure et demie, on va voir ce que ça donne. Ah, on joue directement. Alors. Alors, bon, on va essayer de traduire, hein, putain. Alors. Lettre d'un ami. Mon ami de la ville. Putain, ça va être scandaleux cette traduction. Non, mon ami de l'administration de la ville m'a envoyé une lettre avec une adresse de orphanage. C'est quoi, c'est quoi orphanage? C'est un orphelinat? Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre issue. Il n'y a pas un seul document à propos de l'adoption ou le transfert de Kai Solveyev. Tu sais, tu m'avais dit qu'il était kept. C'est quoi kept? Il a été retenu dans l'orphelinat Palmyra. Donc, tu devrais aller là-bas et rechercher des vieilles archives pour essayer de voir ce qui est devenu de ce mec, quoi. Cet endroit a été... Bah, ils ont arrêté de travailler dans cette orphelinat depuis 5 ans. Donc ça fait 5 ans que plus personne ne travaille là-dedans. Donc c'est un peu un orphelinat abandonné. Mais il n'y a pas de signe de documents qui ont bougé. Donc les documents sont encore là-bas. Je sais que ta mémoire à propos de cet endroit n'est pas vraiment plaisant. Mais si tu trouves des... records... Si tu trouves... Ah, c'est notre frère! Si tu trouves des preuves à propos de notre frère, à propos de ton frère, tu sauras peut-être où il a été transféré. Ok, donc Kai Solveig, c'est notre frère. Ok, très bien, bon. Traduction faite. Est-ce qu'on peut jouer? Yes. Press tab to open inventory. Hold shift to run. Ok, très bien, bon. Let's go. Donc on part sur un orphelinat abandonné, les crows. Hein. J'espère que le son ça va pour vous. Regardez, ça commence déjà à tourner ici. Ça tournicote. On n'a pas de lampe torche. J'espère que la qualité est bonne. Encore un crow, ça. C'est encore un croc. Putain, on voit que dalle. Eh ! Vite, je vais vers cette porte. Il y a de la lumière. Il n'y a plus de lumière. La bougie. Non ! Surtout pas ! Non ! Mais non, je vais la prendre dans mes mains, espèce de con. Ok, on a des allumettes. Ah, voilà. Putain, ça y en a un briquet. Cool. Bon, en tout cas, c'est très fluide, là. C'est très fluide, c'est très beau, c'est cool. Light fluid. Ah, on a chopé du light fluid. Air to reflide. D'accord, très bien. Donc va falloir choper de l'essence pour notre zippo. Enfin, notre briquet. Très bien. Bah écoutez, ça me va. Moi, j'allume toutes les bougies que je vois. Ah, on a chopé un dessin. Alors attends, comment je fais pour... Switch. Ah ok, on switch avec la roulette. Ok, donc on voit des enfants avec des parents et il y a un monstre qui crache du sang derrière l'enfant à gauche. Et des traces de caca derrière. Bon. Donc ils s'en ont servi pour se torcher le cul. Très bien. Si tu continues à progresser comme ça, Toshi, tu pourras enseigner l'anglais en primaire, c'est un bon début. je vais finir prof d'anglais en primaire. Vous imaginez ça? La reconversion. Putain, il fait flipper cet orphelin. Oh là, il y a des croix de Jésus et tout là-bas. Oh là là. Ah, c'est fermé. Merde, putain, les crosses, c'est fermé ici. On va essayer de retourner un peu dehors, du coup, faire... Ah, attendez, il y a un tiroir là. Ah, la clé, là, putain.
Ah! Putain, c'est quoi ce bruit? Quoi? Quelqu'un vient de rentrer dans. Press LMB to unlock the door, you need to have a proper key in your. Ah, tu as besoin d'avoir une clé propre? Ah putain, donc si la clé est sale, on peut pas ouvrir la porte. Alors ça ouvre la porte de la centrale part of the shelter, ok. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans l'orphelinat, j'ai entendu des bruits ici. Le mec ou la chose est rentré comme ça. J'ai entendu des bruits de pas, du coup on y va lentement. Bonsoir Jumzy, on est sur quel jeu? J'ai loupé beaucoup de choses. Non, le jeu vient de commencer, c'est Palmyra Orphanage. Ok, donc c'est censé ouvrir cette porte. Ouais, on y va. Nous allons prier un peu. Oh là là. Children's Unit. Bon alors, par contre, vous remarquerez que pour un orphelinat abandonné de plus de 5 ans, on a quand même des bougies allumées, hein. Donc bon. Oh non, on peut se cacher dans... Oh putain, on peut se cacher dans les tiroirs. Allez. Mais ça, c'est pas bon, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. C'est-à-dire que je vais me faire pourchasser. Bon, ici, c'est fermé. Ça, le live est fluide, les causes, dites-moi. Hein. La qualité est bonne. Oh putain, non, je vais pas là-dedans, moi. Des escaliers, là. Archive. Ah putain, l'archive est... C'est là-dedans qu'il faut aller. C'est là-dedans qu'il faut aller pour les papiers, mais putain, c'est fermé du coup. Faculty office. Ah, c'est ouvert là. Allez, on y va. On allume les bougies. J'ai très peur. Putain, il y a même un ventilateur d'allumé encore. C'est quoi ce bordel? Ok, c'est juste le radiateur qui vient de tomber. Tout tombe en ruine là-dedans. Allez, on continue. Putain, je viens de voir... Ah non, 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 c'est ma lampe. J'ai cru que j'avais vu un truc passer. Ouais, c'est quoi ça? Oh, une clé. Oh putain. Quoi? Merde. Je vais me cacher. What? Et dégage. Oh là là, il est en train d'ouvrir des portes, mais je sais plus sortir, moi c'était quoi ce truc? Allez, bon, ok, donc on a une clé. Ah, la clé des archives, putain! C'est bon ça! Ok, direction les archives. On va y aller direct. Allez. Oh putain. Heureusement que je suis pas gros, hein. Ah, School Cindy, bonne soirée à toi, merci d'être venu. Encore un dessin, putain. Ça fait beaucoup de dessins. Donc là, maintenant, on voit la mère vomisseuse de sang avec les enfants à l'intérieur. Très bien. Il faudrait que je trouve de l'essence, là. It seems that they left some document in the basement. Mega if I find something important over here. Ok, ils ont laissé des documents, peut-être que je peux trouver... Ah putain, il manque des papiers dans les archives, peut-être qu'ils les ont mis dans le sous-sol. Ah putain... Ah, pourquoi il fait ça, lui? Putain, ah, il y a du sang, putain, j'avais pas vu qu'il y avait du sang ici. Bon. Ah oui, putain, mais il y a beaucoup de sang, en fait. Très bien. Bon, bah on a plus qu'à aller au sous-sol.
Faut que j'aille là-dedans. Attendez, je vais aller un peu ici. Là, c'est ouvert ou pas? Non, c'est fermé. Ok, bon, on va aller dans les sous-sols. Allez, let's go. Ouais, putain. Il y a de la poussière qui me tombe dessus. Il y a encore du sang, c'est pas bon hein, de suivre le sang. Bon, bah on suit le sang. Je crois que c'est la seule solution. Il y a quoi ici? Ah, de l'essence, parfait. Encore un dessin. Ok, un enfant qui brûle l'homme au... Ah, mais c'est une cravate rouge, peut-être. C'est peut-être pas du sang. Je pense que c'est plus une cravate rouge, moi. Ouais, ok. Bon, nous voilà au sous-sol, du coup. Ok, ça vient de se fermer derrière moi. Ici on a un casier. Attendez, on revient. On revient pas au début là, non? Je rêve. Bon. Oh putain, allez, on suit le sang, mais là, putain, là, c'est le genre de sang que je sens pas trop. Presque or E to look behind the corner. Non! Light and sound will affect the chance of. La lumière et le son affectent vos chances de vous faire prendre. Oh putain. Wow. C'est ce qu'on appelle une salle de torture dans le jargon. Putain, putain, putain. Très sympathique. Il y a une tombe. Putain, j'ai un crâne. Ah, faut remettre le crâne sur le corps. Oh putain, le squelette va se réveiller bientôt. Attends, il manque une jambe, on va prendre la jambe. On va prendre le bras, enfin on va essayer, voilà. Putain, il y a un cimetière sous l'orphelinat, ça commence cette chose, ces conneries. Allez, hop, le deuxième bras. Putain! Ah! C'est quoi ça? Ok, le squelette nous a laissé une lettre. Si tu veux sortir d'ici, rappelle-toi du nombre 1994. Le premier sujet est arrivé cette année. D'accord. Donc le premier sujet est arrivé en 94, très bien. Merci. Merci monsieur le squelette. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Ah! Oh putain, le code. Oh putain, à tous les coups, c'est 1994. Bon! Allez! Vite! Putain, il y a l'autre qui arrive en plus. Putain, oh putain. Un plan. Ok, on a un plan. Putain, c'est quoi cette lumière? Elle nique les yeux. Ok, je prends le plan. Il y a une clé. Je prends la clé. Par contre, putain, la lumière, elle fait mal, là. Oh merde, oh merde, oh merde. Putain, il est derrière moi, ce con. Non? Putain. Je me casse. On a une clé, je sais pas... Encore un foutu dessin. S'il vient ici, je suis mort. Il y a pas de... Je peux pas me cacher. On a une clé. Gate to the eastern corridor. It opens the door that leads to the pool. Ah putain, c'est peut-être la clé de la piscine. Oh là, faut que je revienne bien en arrière du coup. Le début, faut que je revienne en arrière. Ah! Merde. Ça sent le piège! Ça sent le piège! Non! Oh oui, merci. C'est bon. Allons, on se casse. Putain, y'a plein de sang partout.
Mon dieu! Ils ont explosé, les gens. Wow. Ouais? Je ne suis pas du tout tendu, non. Je suis en PLS, là, c'est horrible. Oh merde. Je peux plus bouger! Si, c'est bon. Putain, qu'est-ce qui va se passer? Je viens de me faire posséder. Oh putain, il est au-dessus de moi, il est au-dessus de moi. Faut que je... Putain, faut que je descende, il est au-dessus de moi. Pourquoi il y a autant d'étages? Oh putain, ça y est. Non? Oh merde. Quoi? Ok, là j'ai eu peur. Putain, c'est quoi ce screamer de merde? Putain, ces lumières qui bug, j'en peux plus. Sortez-moi de là. Oh, il y a quelqu'un au fond qui bouge. Oh non. Là, il y a un cadenas ici. Oh putain, il y a quelqu'un au fond là. Oh. Oui, reste allumé s'il te plaît. Reste allumé s'il te plaît. Retraite! Retraite! Je dois vraiment y aller là! Putain, c'était quoi ce truc qui a couru là? Ça court au mur, ces saloperies! Oh non! Oh non! Tu vois ce que je vais te mettre? Oh non, merde, v'là l'autre. Putain, v'là l'autre. Oh putain. Oh putain, v'là l'autre. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis plus habitué au horror game, mais j'ai peur. Je sais pas si c'est le jeu qui est bon ou si c'est moi qui suis plus habitué, mais... Spider-Man. Ah putain. Casse-toi. Ok. Qu'est-ce que je fous là? Je sais même plus où je suis. Putain, je suis dans des douches. Ok, il y a du sang qui pleut dans l'évier là. What the fuck? Oh putain, on est dans la piscine. What the fuck? On peut aller... Ah! Ah bah non. Merde. Je pensais qu'on pouvait... Qu'on pouvait se baigner dans le sang, moi. Bon, je sais que c'est pas normal, mais... Merde. Ah non, merde, merde, merde. Ah! Bon, on peut pas se baigner dans le sang. Bon, ne pas sauter dans la piscine, les enfants. Surtout, ne pas sauter dans la piscine. Oh merde, le revoilà. Oh putain. Hello! Bon, je me ferai pas avoir deux fois. Hein. Ah, voilà! D'accord, et la deuxième est là, mais on n'a pas la clé. Très bien. Donc là, la mission, ça va être de vider la piscine. Oh putain. Là. Ok. N'oubliez pas de nettoyer la piscine une fois par semaine. En fait, ils ont pris tous les enfants de l'orphelinat, ils les ont mis dans la piscine, ils ont pris un mixeur géant, ils ont tout mixé. C'est comme ça que ça s'est fini, je crois. En vrai. Hein? Bon, ça va. Niveau essence, on est plutôt pas mal. On va essayer de continuer. Par ici. Oh là là. Ah, il manque la valve. Oh putain, les bâtards. Il manque la valve.
Ils ont osé. Je me rappelle du jour dans la piscine. Natacha ne parle pas à propos de cette boîte dans la piscine. What? Rien ne s'est passé. Il n'y avait pas de fille du tout. Si quelqu'un devait demander, juste réponds qu'il n'y avait rien. Je n'ai pas envie que notre enfant aille dans la rue. Toi, tu voudrais. Ah, ok, il y a eu un espèce de coït dans la piscine. Ok. Ah, donc voilà dans la... Bon, ok, il nous faut la valve. Hein. Putain, on n'a pas de valve. On n'a pas de valve. Enculé! Putain, mais va trouver une valve dans un orphelinat, quoi. C'est... Ils sont fous, quoi. Allez, putain, on va ouvrir toutes les portes. Il va se passer un truc. Avec un peu de chance, je vais retomber sur la valve. J'ai bien dit avec un peu de chance, putain, mais... Oh merde, y'a l'autre qui se prend... Oh, la valve! Vite, on se cache, on se cache, on se cache. Putain! J'en reviens pas, j'ai la valve. Par contre, y'a l'autre, là. Ok, on a la valve, les crosses, très bien. On s'en sort plutôt bien dans ce jeu. Bon, par contre, attention. Hein. Attention, attention. Oh merde, oh merde, oh... Oh merde, oh merde. Oh non. Non. Ah, maman est mille fois au-dessus. Ok, c'est bon. Attends, non, c'est pas bon. Je l'entends encore en 7 points, là. Je l'entends encore tourner autour de moi. Ah, putain, il revient, mais c'est une blague. Mais casse-toi! Vous croyez que c'est bon? Putain, je sais pas. J'y vais ou pas? Allez. Faut vraiment... En fait, faut pas courir, je crois. Quand on court, on se fait choper. C'est comme Vanish. En plus, ils disent au début du jeu que les bruits... Oh, c'est Rust! Merci beaucoup, ça! Merci pour ton rose, bro. Bon. On a cette foutue valve. Maintenant, où était là le tuyautage. Ah, il était là. Ok, allez, on va vider cette piscine. Ah, une piscine bien propre. Oh, ok, il y a une poupée. Qui avait dit qu'il y avait une poupée dans le jeu? Bonsoir, bonsoir. Putain, y a les rhinos qui débarquent là. Allez. Bienvenue le WoW magique. Bon, attendez. Vous êtes prêts pour le screamer ou pas? Putain, attendez, je sens pas là. Bah, y'a bon un screamer là, on est d'accord. Hein. Hey. J'en ai vécu des screamers dans ma vie. Je peux te dire que celui-là, c'en est un. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Oh là là, mais mon dieu. Bon, vous êtes prêts? Même ça va faire que ça, là, en fait. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Allez, on y va? Nique sa mère. Quoi? Y a rien eu? Non, 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 attends. Surface of this toy is still wet. La surface de ce jouet est encore mouillée. Mais pourquoi on a chopé une poupée, là? Tu m'expliques?
Bienvenue Romanola, Nathan, Josh, Mika, bienvenue à vous. Bon, on a chopé une poupée, hein, les creuses. Je sais pas ce qu'on va pouvoir bien faire avec, mais bon. Après, si on reste enfermé dans cet orphelinat à vie, ça peut nous être très utile. Je dis ça, je dis rien. Bienvenue Chloé. Ah putain, voilà, par là. C'est bon. Ok. Ah putain, j'en étais sûr. Mais c'était quoi? Si tu voulais ta poupée, il suffisait de demander, pas de me foncer dessus. Putain. Putain, je viens de lancer ton stream pour découvrir, j'ai sursauté comme jamais. Ah, t'arrives au pire moment là, Kilira. Vraiment au pire moment, quoi. Bon, c'est rien, c'était une petite fille, voilà, elle s'était perdue. Hein, on lui a indiqué le chemin, elle est partie, les creuses, tout va bien. On ne la reverra plus. Vous êtes tranquille. Allez, on continue notre petite aventure. Ouais, mais pas par là, par contre. Là, ça fait un peu peur. Ah, mais par là aussi, bon. Ok, on va aller là. Mais arrête le chat, putain, arrête! Oh! Mais le chat est fou! Oh, merde, j'ai... Ah! Oh merde, mais putain, c'est quoi? What? Y'a même plus de... D'accord, bon. Isolation. Le jeu le plus flippant du monde, j'avoue, il est flippant. Ah, vous êtes dans le noir. Ah, I'm trash, je veux dire, je suis un déchet de la merde. Non, mais pas deux fois. Pas deux fois. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, putain, de la corde. Tu veux te pendre, c'est ça? Attends, je vais t'aider. On vient de choper une espèce de corde, là. Ah bah d'accord. On vient de pendre une peluche, les creuses, on va aller en prison, hein. Oh, y a des bruits chelous, là. Ça va, vous aimez bien le jeu? Est-ce que vous aimez bien... Oh, putain. Quoi? Putain, le monde de Narnia is back, là. On va se faire... On va se faire avaler par l'armoire, putain. Il est génial, ouais, c'est top. Moi, j'adore. Ok, cool. Bon, j'ai pas claqué 5 balles pour rien. Vous me rassurez. Putain, mais qu'est-ce qui est en train de bouillir, là? Bon. Niveau malsénité, on est sur combien, là? Putain, mais ça va me sauter à la gueule, là, encore. C'est le bordel dans l'armoire. Je sais pas ce qu'ils foutent dans cette armoire, mais putain. C'est clair que... Bon, allez, on y va. Ouais, je le sens mal. Ah! Quoi? Succès déverrouillé? Ah, il fallait... Je suis mort, je crois. Oh putain, je crois que je suis mort. Il fallait... Ah mais ouais, putain. Ah, il faut pas que j'y aille. Ah non, regardez. Quoi? L'armoire est ouverte maintenant. Attendez, 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 attendez. Bon, du coup, je rentre plus dedans, hein. Faut pas déconner, hein. Allez, on rentre. On peut pas. Putain. Vous savez que ça a vraiment existé, des trucs comme ça. Il y a des gens, ils sont morts comme ça.
J'aime pas les lumières rouges. Toshi, le jeu est cool. Les armoires tueuses. On aura tout vu hein, dans ce jeu. Ok, bon, on va essayer de retourner en arrière. J'entends un bruit à ma droite. Et j'espère que l'autre, elle va pas revenir. Hein, sinon, je l'en colle une. Non, c'est bon. Il y avait du sexe dans l'armoire. Je sais pas ce qu'il y avait, mais c'était bizarre. Du coup, on a chopé Evutam et Luca. À chaque fois que je la regarde, c'est dur pour moi de respirer. Alors, on a une poupée homme et une poupée femme. Ouais. Ok. Alors, j'ai une petite théorie sur le sujet. Ouais, mais non, je vais pas me faire enfermer. Ah putain, je viens de me faire enfermer encore. Mais ils font chier, hein! Ok, il va falloir remplir ce truc de... Je sais pas, de pisse peut-être, je sais pas. Ah, un chien aboie dehors. Ah bah voilà. Ta-da-da, de l'acide citrique. Hop là. Ah, il va falloir d'autres choses. Putain, on se croirait dans Amnésia. Ça me fait penser à Amnésia, là, un peu. Rien dans les tiroirs. Oui, toi, t'as la chance d'être dehors, enfoiré, donc te plains pas, hein. Ah, ici, putain de... C'est bon, c'est bon. On va faire un cocktail. Cocktail spécial pour les démons. Du sang devant l'étagère. Ouais, il y a du sang devant l'étagère, ici, mais... Oh, attends, il y a un livre rouge, là. Oh, putain. Oh! Mamma mia! Señorita! Ok, muchachos, on a le dernier flacon, c'est très très bien. Ok, donc il y avait... Putain, il fallait le voir. Il fallait le voir. Allez, hop. Bré! Bré, bré, bré! Hop là, ok. Voilà. Je préfère ça, les gars. Ok, alors attendez. À quoi ça peut nous servir, ce truc? Ah, il y a une porte cadenassée! Mais oui! Attends, elle est où, cette porte? Attends. Elle est où, cette porte? Elle est où, cette porte? Ah, oh, putain, oui. Ah, faut que je la retrouve aussi, putain. Mais oui, exactement, il y avait une porte cadenassée. Ah bah elle est là. Yes! Putain, merci diable. Ah. Ah bah voilà. Nickel. Voilà, on arrive à la cantine. Balalam. Oh, petite tête. Dollhead. Encore un petit dessin sympathique. On va aller regarder ça, tiens. Voilà, donc toujours des sympas très gentils. Il y a toujours un espèce de mec, là, avec une cravate rouge, qui fait des espèces de sacrifices. Tu sais quoi, le jeu va se finir sur des espèces de sacrifices. On va rien comprendre. En vrai. Ok. Oh putain. Eh non! Je suis pas comestible! Pourquoi il y a un couteau qui flotte? Oh putain. Faut que je dégage moi. Oh putain. Vite. Vite. Ferme. J'ai faim! Ça c'est moi le soir, tu sais. Quand tu descends super tard et que tu crèves la dalle, tu ouvres tous les tiroirs. I have nothing to put in the pan. Putain, on est dans Top Chef ou quoi là? Eh, y a un couteau là, c'est chelou. Ferme ça. Ok. J'entends un cœur battre. Putain.
J'entends un cœur battre. Doll baby. Doll body. Ah d'accord, donc on a chopé le corps de la poupée et la tête. Ah oui. Faut peut-être que je les mette dans la casserole du coup. Ah c'est ça. Ah putain, c'était ça. Le dîner est prêt. Oh non, me dis pas qu'ils cuisinaient les gosses là. Ça serait tragique comme histoire, putain. Ah oui, du coup, putain, je vous ai... Attendez. Je vous ai pas dit. Je me suis débloqué. La dernière fois qu'on avait joué au jeu, donc hier, on devait mettre des parties de poupées dans un... Pour faire une soupe, tu vois. Dans un bol, là. En fait, en mettant toutes ces pièces, ça nous donnait une clé. Et ça, je l'avais pas vu la dernière fois. Donc, on était bloqué. Et là, du coup, je me suis débloqué. Donc, on a juste passé cette porte et nous voilà dans un nouveau couloir. Tout simplement. Allez, on y va. Un dessin. J'aime bien regarder les dessins. Regarde, c'est joli. Allez, on va essayer d'aller là-dedans. Coucou les gars. Putain, on voit que dalle. Allumage de bougie. Une note. J'espère qu'ils n'ont pas fait ça à Kai. Donc Kai qui est notre frère. Hein. Putain, faut pas oublier ça. Ok, ils ont bougé le corps d'un enfant. Très bien. Bah. Ah, on est dans les dortoirs. Oh putain. Quoi? Ouais, mais non. Nope. Il est enfermé dans les chiottes. Bon, je suis pas très rassuré là. Ah, ok. Il s'arrête pas, ce con. Wow. Ok. Mauvais plan. Mauvais plan. Ouais, mais non en fait. Tu te fermes pas comme ça devant moi. Hein. Oh merde. Je viens à peine de commencer le live les gars, soyez cool putain. Pas un screamer dès le début, sérieux. Mon dieu, je vois flou maintenant. Pourquoi je vois flou? J'ai pas mis mes lunettes. Je vois tout flou, les creuses. Putain, il va... Ok, il y a des bruits de pas maintenant. Je vais m'en prendre un. Putain, je vais m'en prendre plein la tronche dans 2 secondes. Ça va être violent. Il y a une saleté de fille, là. Ah, please help me. Ah! Mais non, j'ai pas envie de t'aider. Wow. J'ai juste envie de partir. Je veux juste me casser, moi. Foutez-moi la paix, putain, avec vos histoires de gosses, là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai juste retrouvé mon frérot, moi. Wow. Ok, donc ça, c'est les jouets de, bah, des enfants, hein, sûrement. Il y a pas de porte au fond. Putain, il va se passer un truc, là. Oh. Ah ok, oh putain, regardez derrière, je peux plus repartir. Les objets ont bougé. Sorcellerie! Je vais m'en prendre plein la tronche. Oh là là, regardez. Wow. Quoi? C'est quoi? Oh putain! C'est l'homme à la cravate! C'est l'homme à la cravate! Oh! Je sais pas où je vais. Ah! Putain, le con! Il est juste derrière moi. À gauche. Pourquoi j'ai pris à gauche? Je sais pas. Il est juste derrière mon cul. Il est en train de me renifler l'anus là. Putain. Il est juste derrière moi. J'ose pas me retourner. J'ose vraiment pas me retourner les crosses. Je sais pas où je vais. Je suis le sang. Ah non, faut pas suivre le sang. Faut pas suivre le sang. Toshi. Ne suis pas le sang, Toshi. Voilà. Merde, je crois que j'ai suivi le sang, non? Non, c'est bon. Oh merde. Oh merde, non, je suis mort. Je suis baisé.
Tu baisais. Bon alors attendez. On va donc éviter le sang. On va éviter les taches de sang. Donc là, là. Ok, ici. On va essayer d'aller par là. Là, il y a une tache de sang, on la suit pas. Ok. Là, on est plutôt bon. On va essayer d'aller par là. Ok. Par là. Oh putain, il y a de la lumière. Oh putain. Il y a de l'espoir, les creuses. Il y a de l'espoir. Yes. Putain, j'ai jamais été si content de voir une armoire. Oh shit. Ok, c'est bon ? Ah, on est sorti du coup. Très bien. Bon. Bah, au final, c'était très simple. Quoi ? Ils enfermaient les enfants dans des prisons ? C'est bizarre cette histoire. Pourquoi j'entends des bruits là ? J'entends des bruits derrière cette porte. Vous entendez le tac-tac-tac ? Vas-y, ta mère ! Il est en train de se branler ou quoi ? Putain, ça vient du tuyau ? Il y a quelqu'un dans le tuyau. C'est pas là. Ah, là, il y a une photo. Oh ! Mais quoi ? D'accord, il fallait mettre... Mais comment je pouvais savoir ça ? Mais du coup, ça a servi à quoi ? Je comprends pas. Ah, putain ! Ah, là, il faut mettre le petit... Ah, ça y est, j'ai compris, putain ! Il faut mettre le petit camion, là. D'accord, ok, on y va. Fonce, fonce, fonce. Je viens de comprendre. Ça y est, mon cerveau s'est allumé. Petit camion, viens là. Ah, mais comment je fais pour le prendre, du coup, putain ? Ah, merde. Ah, je fais comment pour te prendre, toi ? Ah non, je peux pas le prendre. Le tableau à côté de la cage. Alors, voyons voir. Là. Oh putain. Ah, c'est de l'observation. C'est vrai que c'est... Mais viens ici toi, c'est de l'observation. Merci diable. C'est de l'observation pure et dure. Voilà, allez, il sera content. Holy shit! Des fantômes! Je vous suis, les gars. C'est stylé! Allez, je vous suis. Ah, ah, allez que le... Qu'est-ce qui... Vous arrêtez pas là, les gars. Qu'est-ce que je dois faire? Wow, wow, wow. Non mais doucement, eh, pourquoi vous êtes rouge là? Vous étiez bleu, putain! Wow, wow, wow! Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as trop bu, toi. Je te prends avec moi. Putain, 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 oh putain, oh putain, oh putain, oh putain! Vite, on s'enferme, on s'enferme. Je veux aucun mal. Je viens de me faire transpercer par un évier, les roses. Par un putain de lavabo. Et bienvenue, maître, hein, du coup. Bienvenue, bienvenue à toi. Oh putain, attendez, il y a deux portes, là, c'est énorme. Est-ce qu'on prend la porte rouge ? Attendez, il y a une note. Ah, attendez, bon, on va utiliser Google Traduction, tiens, je suis chaud, là. Et depuis que j'ai découvert cet appli, là, je suis à fond. Alors, attends, appareil photo, scanner, voilà, on va scanner le texte. Mais ça, putain, on est dans le futur. On est vraiment dans le futur. Bon, du coup, c'est de l'anglais à français. Optimisation. Vas-y, optimise-moi ça, mon gars. Le texte devient français dans le jeu. Je me souviens de toi, vous vous êtes enfui et après cela, les choses ont commencé à se dégrader. Je l'ai dit à votre frère que tu as été adopté.
Je ne voulais pas qu'ils sachent que vous mendiez dans les rues. Et maintenant, vous venez de tout détruire à nouveau. Pourquoi as-tu emporté mes jouets? Vous ne pouvez pas les détruire, vous ne pouvez pas les renvoyer. Juste les mettre en place, laissez-nous jouer, et je vous laisse fuir à nouveau. Laissez-les partir, et il sera le seul jouet pour jouer avec. C'est énorme. Putain, cette technologie-là, elle est impressionnante. Ok, nickel. Bah écoutez, voilà. je sais pas, allez, on va du côté rouge parce qu'on est des fous. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Oh. Ah, il faut que je place les poupées, putain. Bon, doucement, les gars. Pas de lavabo. Pas de lavabo. Oh non, pas toi. Oh non, 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 l'homme à la cravate rouge. Ah, il a... Ah putain, mais les enfants sont emprisonnés à cause de lui. Il dort? Je vous libère, les gars. Putain, reste là, s'il te plaît. Quoi? Mais non, mais je veux pas vous tuer. Monsieur... Monsieur cravate. Ah, je voulais pas te tuer, désolé. Putain, non, on va pas tuer les autres. Oh mon dieu. Merde, merde, faut que je traduise, là, faut que je traduise, putain! Faut que je traduise! Instantané, vas-y, traduis, traduis. Un civil se trouvait dans le bâtiment. Une tentative de capture d'objet est soulevée, j'ai donné l'ordre d'isoler. J'attends pour d'autres... Quoi? Bah attendez, j'ai tué un enfant. C'est fini? Ah, le jeu est fini. Ah putain, d'accord, ça se finit comme ça. What? Bon, je suis un peu dégoûté parce que du coup, j'ai tué un gosse sur les 4. Je suis à moitié un meurtrier. Je voulais pas. Je croyais qu'en fait, en cliquant sur le couteau, bah j'allais le retirer, pas le poignarder, tu vois. Ça me paraissait logique en fait. Bon. Je crois qu'il y a plusieurs fins. Ouais, je pense aussi, ouais. Ok, très bien. Bon, bah écoutez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? J'ai bien aimé dans l'ensemble. Il y a eu de bonnes énigmes. De bons screamers, j'ai vraiment bien flippé. J'ai vraiment bien flippé. Et bon, pour un jeu à 5€, ça fait le taf. Voilà, ça fait le café. Je vais pas vous mentir, je vois. Non, j'ai bien aimé. C'est un bon jeu d'horreur, ouais. C'est un bon jeu d'horreur. Je vous souhaite une très bonne nuit, les crozes. Merci d'être passé. Merci Kaisu pour ton petit don. Hein. Merci beaucoup. Passez une très bonne nuit. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà. À demain, les crozes. Ciao.